ne reste jamais sur ce côté, il faut être de l'autre côté. Vous voyez ici, ce n'est que de la matière fécale. On ne voit que ça. Mangamagari Apamandikeli est un quartier de la commune de l'Abattoir. Ousseni Mohamadi Bastois y habite. Il fait partie des nombreuses familles incommodées par les odeurs nauséabondes. Voilà ce que nous vivons ici. C'était de la matière fécale que j'étais en train de remuer. Plus haut, là où on était, il y en a encore plus, 20 cm de profondeur. Nous vivons mal ici, nous mangeons mal. Il n'y a que des mauvaises odeurs. Voici la source du problème. Cette station d'épuration d'eau usée du réseau d'assainissement de la commune de l'Abattoir, située à proximité. Sous-dimensionnée, elle ne débouche sur rien et ne serait plus fonctionnelle, comme abandonnée selon les riverains. Ce moteur, nous l'entendions avant. On entendait le bruit. Au début, oui. Mais là, ça fait 10 ans qu'on ne l'a pas entendu. Un conflit foncier entre le propriétaire du terrain et les eaux de Mayotte serait la cause de cette situation. Un conflit de longue date en cours de résolution. Les négociations seraient en bonne voie, précise la commune de l'Abattoir. De son côté, la communauté des communes de la Petite Terre indique dans un communiqué avoir saisi les autorités publiques concernées pour mettre fin rapidement au rejet d'eau usée dans la nature.